Être le premier, être le numéro un, être tout le temps au devant de la scène, être le premier à l'entraînement, être le meilleur en match, être sans cesse au top de sa forme, au top niveau, sans cesse travailler, sans cesse tout donner. Mais il y a un moment où on fatigue. Il y a même un moment où on doute de nous-mêmes. De tous ces efforts, on ose douter de notre objectif. Comment est-ce possible? Il y en a certains qui parcourent des chemins, des aventures, connaissent des situations extrêmes, des situations difficiles. Et ils ont réussi à s'en relever. Mais il y a un moment donné où, malgré tout ça, ils arrivent à douter. Ils se disent que c'est trop long. Ils se disent que peut-être que je ne suis pas fait pour ça. Peut-être qu'en fait je me trompe depuis le début. Ils doutent. Mais c'est là que se fait la différence. Ce moment précis où on a tout vécu. Ou en tout cas quasiment tout vécu. Mais on se dit à quoi bon continuer. Parce que malgré toutes ces difficultés, malgré toutes ces douleurs, je ne suis pas récompensé à ce que je pense être ma juste valeur. C'est là où certains flanchent d'un côté le bon et d'autres flanchent du mauvais. Comment oser abandonner après tout ça. Aujourd'hui, on va reconnaître ceux qui ont faim, ceux qui ont la dalle, ceux qui ont envie vraiment de réussir. On va reconnaître par ces temps difficiles ceux qui veulent vraiment sortir du lot et sortir à la tête de l'eau. On va voir les bosseurs, on va voir ceux qui n'ont pas besoin d'être entourés, on va voir ceux qui ont le mental qu'il faut pour parcourir le chemin jusqu'au bout, franchir toutes les embûches. On va voir qui sont ceux faits pour réaliser ce rêve, pour réaliser leur objectif. Que ça soit footballeur pro, que ça soit vivre du football, que ça soit être heureux en pratiquant ce sport que l'on aime tous. On va voir ceux qui veulent tout donner, qui veulent tout arracher pour un seul rêve, pour quelque chose qui ne tient à rien, pour quelque chose qui peut se terminer du jour au lendemain. On va vraiment voir ceux qui ont faim. Super, au top aujourd'hui, c'était pas facile.